Yo, c'est la suite des highlights du World of Light, la qualité est toujours dégueu par contre. Souris, bon visionnage. On y croit, la troisième fois sera la bonne. Pourquoi j'étais mort avec Pete? Ah oui, première fois avec Link, je saute dans le vide, je meurs comme une merde. Deuxième fois, une footstool. Avec quel perso je ne me SDerai pas? Bah vas-y, go random, j'ai envie de dire. J'en ai marre. Pourquoi je fais ça? Ça meurt! Yes, let's go. Je gagne avec le pire perso. Genre, je tente mes mains et tout, ça marche pas. Je prends random, j'ai Metanite et je l'ai. Regardez ça. Hop là. Et là, le spike. Et le double. Footstool. Yes, c'est mon premier footstool sur Smash Ultimate. C'est beau. C'est OP en vrai. J'ai pas besoin de me tourner. Je touche toujours mon adversaire. Tu vois, là par exemple, c'était absolument pas un rite de roulade. Genre, j'ai juste un tilt. Il s'est tourné tout seul. C'est magique ce perso. Mais c'est une blague. Sérieusement. C'était NG quoi. Dommage que c'est pas une map. Grand tour de la RNG. Mais cette fois du bon côté. Oh le trop combo. Le fameux up air inclut. Non c'est une blague. C'est une blague, j'avais même pas vu qu'il en avait un. Par contre y'a un insecte. Je vais l'éclater. En vrai des fois les bots ils tentent des petits self-guards, maintenant ils font peur. Avant j'aurais resté sur le borsagement et tout. Je suis un ouf. Oh je suis un mort. C'est un morceau. Oh, il tombe un peu plus vite. Avec Camilla, oh putain, je vais tellement la défoncer. Je vais me faire un plaisir de la défoncer. Je vais pouvoir venger Inoka quand elle a perdu dans le tournoi Fire Emblem Heroes. Merde, j'ai plus de saut. Bon bah. La vengeance sera pour plus tard. Ça tue, non? Oh, merde, merde, merde. Non. Non. Je suis mort, non? De tristesse, mais putain. Je trouve ça débile que genre c'est celui qui se fait le plus défoncer qui gagne le truc plus vite. Ça va passer. YOLO. Okay. Yes, on passe. YOLO. Ouais. Je sais pas, quand je vois Ness offstage comme ça, je ne peux pas ne rien faire. On a trouvé la strat, c'est de le jeter direct comme ça. Ouais. Non, contrôle-toi, frère. J'ai failli en refaire, je sais pas pourquoi. Ah oui, ça peut tuer. Bon, j'ai arrêté de me suicider, ça marche beaucoup mieux. Dès qu'on est au corps à corps, en fait, je sais pas quoi faire avec Simon. Ses attaques sont un peu lentes et... Bon, voilà, c'est bon, j'ai gagné. Merci d'avoir participé, je... En fait, ce que j'ai vu que il était un peu foufou, du coup, je me suis dit, je vais prendre mon temps, je vais aller offstage. Et j'ai attendu l'erreur de l'adversaire, c'est une technique. C'est une technique, je pense, d'avoir assez bien démontré. J'ai beaucoup de chance en vrai. Bah, reste ici. Qu'est-ce que je te dis? Tu vas mourir à deux coups. J'attendais voir si elle voulait sauter ou quoi. Oh, putain, c'était un 4 étoiles. Allez, ça dégage. Par contre, est-ce que je reviens? Ok, c'était bien. De toute façon, il peut y avoir qui là, Mewtwo. Honnêtement, je vois que Mewtwo. Bah voilà. Mewtwo! Mewtwo, honnêtement, il me fait un peu peur. Parce que. Vu le niveau des bots et vu. Là, le mec, il te fait des ledge cancel, mais calmez-vous, les CPU. Oh, je l'avais. Je l'ai footstool! Yes! Je sais pas ce qu'il a essayé de me faire. Il allait vers moi, il était trop confiant. Il l'a footstool sa race. Mais j'ai été choqué, le mec, le Mewtwo il commence, let's cancel sur le bord. Juste il instaure les bases, il arrive et dit regarde moi je sais faire ça. Même les main Mewtwo ne sont pas aussi confiants. Waouh. Waouh. Réveille-toi. C'est énorme. Genre elle intervient pendant le combat et tout. T'inquiète pas Carapuce. Ouais enfin t'inquiète pas, tu fais quand même défoncer quoi. C'est le moment de... Putain le mec il m'a disrespect. Réveille-toi. C'est le moment. Attaque trip. On dirait la voix d'une meuf dans Wakfu. Réveille-toi. Oh j'ai cru que j'allais SOSD. Ah bah moi je me suis SD. Nice. De toute façon je pense que accord temporairement XXL et de métal. Et bah vas-y on va tout niquer. Bon là. Là j'ai plus confiance en mon build. Et là maintenant je le pèse. Je m'en bats les couilles. La différence de difficulté quoi. Ah j'aime bien cette musique. Bah du coup je vais vous laisser cette musique. Parce que ça parle de crème et de fromage. Tout comme la pizza que je vais aller chercher. A tout de suite. Je viens de penser à un truc. C'est assez ouf ce qui se passe là.
me pose et je vous explique ça. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai une pizza à la crème et au fromage. Incroyable. Et là, il y a crème and cheese. Et je me bats contre Marie. Et la marque de ma pizza, c'est des pizzas Marie. Si ça, c'est pas une coïncidence pour dire que c'était vraiment le pizza time. En vrai, c'est ouf. Je vais aller voir si j'ai encore des personnages à débloquer. Là, comme ça, j'en vois pas. Ah, Bowser Junior, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai tellement rien à foutre de ce perso. C'était mon avant-dernier perso moins joué hier. Je vais aller voir dans les salles tout à l'heure. Puis je l'ai mis. Tu sais, il est mort. Ouais, j'en étais sûr. Et bah, c'est le seul CPU contre qui j'ai pas galéré. De tous les derniers combats, il était assez chaud et tout ça. On dirait, on dirait la voix du mec qui se prend un ballon de basket sur la tête. Pourquoi il a fait ça? Non, non, arrête! Je peux le tech. Tout l'espoir de la France! Putain, je pense. Là, en vrai, à part Palutena, je vois pas. Voilà! Putain, je suis bon. Il y en a peut-être un autre que j'oublie. Hein. Ouh! Ça apprend à tech au moins, c'est pas mal. Ouais, bon, là, ça, par contre, c'était. Putain, mais il s'étangle! Please! La meuf, elle connaît son terrain par cœur. Ouais, il y a encore ouais, la zone tout en haut là, j'ai pas exploré. Mais j'ai envie de dire, histoire de quand même essayer de finir l'aventure ce soir. Et cet insecte! En plus d'avoir tué Créama, j'ai tué cet insecte. Salope! Salope! Bon, si c'est juste Créama, logiquement ça doit pas être très dur, surtout si cette action n'a pas trop changé. T'as les dégâts que je fais avec mes stratégies, tu vois. Le bon spam de opère comme on les aime. Ça, je me rappelle de cette attaque. Ah, mais elle reste pas tout à gauche. Oh, je stun. On m'a éloigné Shigeru. Ça, j'ai jamais compris comment ça marchait. Ok, bon, on peut juste le tuer. J'ai l'impression qu'en général, ça passait à travers chez lui. Oh, tu peux pas m'avoir, je bouge trop. Oh! Easy. Easy, clairement. Là, il va y avoir des maniaques qui arrivent. Et après, on va tuer la tête. Si c'est ça, c'est cool. Hey, killer. R, ça veut dire cheveux. C'est forcément la tête. Let's go, killer. Ah, c'est la boule. Bon, du coup, je connais absolument pas ce qu'il va faire. Ok. De toute façon, je. Ça m'étonnerait que je réussisse du premier coup. Mais là, c'est l'apprentissage des patterns. Ok, faut pas rester dans les lignes. Au calme. Je l'ai mis à terre là. Oh, victime. Oh. Attends, j'ai des bonus à TK, il faut que je l'utilise. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il allait faire le truc du tabou. Oh. Stylé. Je peux aussi le tuer. Hey, j'ai 3 sauts. Là, on s'éloigne. Nice. Pas trop dur. Ah, y'en a un autre. Ouf. Là, je me rends compte qu'en fait, le live est la crash au moment où j'ai tué le boss. Et je l'avais tué avec un Falcon Punch. Oh, salope! Bordel de merde. On en a encore pour un moment. Je vais déjà finir celui-là. Et quand j'aurai fini celui-là, il me reste pas grand-chose en vrai. Et bah, j'irai dans le monde des ténèbres. Mais putain, ça agréablement surpris. Même si en vrai, même si ça a été juste ça, j'aurais trouvé ça super cool déjà. Il y a quand même pas mal de contenu. Mais là, il y a encore un deuxième truc. GG. GG, vraiment. Et on finira ça. Salope! Enfin, on va plus du tout pareil. Non, 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 je vais pas en perdre une dernière fois. Nique ta mère! Elle a traversé la meuf en une demi. Yes! Bah voilà! Il a fallu que 2 jours. En vrai, j'aurais pu aller tellement plus vite, mais ça va, c'était pas mal. Là, il manquera plus que les petits DLC pour faire un beau menu. Tout clean, tout carré. Et du coup, bah, je vais m'arrêter là pour ce petit live. C'était vraiment sympa. Je live bah, dans exactement 40 secondes. Ça fera 11 heures que je suis en live. C'est un nouveau record pour moi, en vrai. Et encore, la suite continuera demain. Je vais continuer le World of Light.